abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. La saison 12 de Danse avec les Stars n'a pas démarré sous les meilleurs auspices. Point. Il y a deux semaines, Data Link People égale à 48 de dette 7010 4133 à 2 à 6 dixième 81 753 et 4 à Chris Mark était absent de l'émission de danse de TF1. Covid-19 oblige. Le juge intraitable avait donc été remplacé par Jean-Marc Généreux, qui avait assuré l'intermittence avec brio. Ce vendredi 7 octobre, deux danseurs phares manquent à l'appel, Data Link People égale à 0 753 720e si DFE 460 B à 05 D 9e Anafk 728 Christophe Licata et Kelly Songo Adoué. Le mari de Coralie Licata a expliqué sur son compte Instagram qu'il était souffrant et qu'il ne pourrait, par conséquent, pas faire valser Data Link People égale à 6 à 9 à 83 à 9 F 044e 7 à 8 B 1429 228e 01 4 4 4 Léa et lui. Pour me remplacer, c'est Data Link People égale à DD 132e 71 D 94e 4 DD AB 579 73 27 C 0 DAB 0 Jordan Mouillera qui dansera avec mon adorable Léa. Je leur souhaite de faire un show exceptionnel afin que je puisse retrouver ma belle Léa la semaine prochaine, avait-il déclaré sur les réseaux sociaux. De son côté, la partenaire de danse de Stéphane Legar s'est blessée pendant les répétitions. Elle reviendra très vite, a promis le chanteur. Et puisqu'une blessure en cache souvent une autre, c'est au tour de Billy Crawford d'avoir frôlé la catastrophe. Data Link People égale à 46 ABF 2 BBC 2 FB 4693 à 915 CF 4 C 4 EC 8695 B 0 Camille Combal a averti les téléspectateurs avant que Billy Crawford monte sur scène, le partenaire de danse de Fovoto s'est blessé pendant les répétitions. Je me suis déchiré la cuisse, a confié le chanteur Philippa sur le magnéto. Ça fait mal et ça m'empêche de danser, a-t-il continué, tout en essayant tant bien que mal d'apprendre les pas de danse avec Fovoto et Marie-Agnès Gillot. Cependant, sur scène, les juges et les téléspectateurs n'y ont vu que du feu. Malgré ses blessures et la douleur, l'ex-compagnon de Laurie est parvenu à exécuter sa chorégraphie, sans trop de difficultés. Un acte de bravoure salué par les juges, qui lui ont attribué des notes comprises entre 8 et 9. C'est l'une des plus belles performances de l'histoire de cette émission, a déclaré Bilal Hassani. Encore sous le choc après ce qu'il venait de voir devant ses yeux. Sur les réseaux aussi. Les avis sont unanimes, Billy Crawford a assuré. Waouh, ils m'ont subjugué Fauve et Billy. Incroyable la valse de Billy, Fauve et Marie-Agnès Dahl, c'était magnifique. Presque les larmes aux yeux, vraiment, j'espère qu'ils vont gagner Billy et Fauve. Cette chorégraphie était exceptionnelle. Franchement bravo à Fauve, Marie-Agnès et Billy, ont-ils écrit. Ça valait bien une petite égratignure.